these people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Lesson 9 takes us back a few years to vacation time in Brittany. It's raining. Mireille, her sisters and cousins decide to pass the time by playing a game of portraits. Their game is interrupted by a minor accident. Il y a 2 ans, les vacances d'été, à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. Il pleut. Mireille, Cécile, Marie-Laure, leur cousin Georges et leur cousine Yvonne sont seuls dans une maison louée en commun par les deux familles. C'est bien notre chance. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Elle est belle, votre Bretagne. Hein? Oui, c'est mortel, la mer, quand il pleut. Il n'y a rien à faire. Jouons à la belote. À la pelote dans la maison? On n'a pas la place. Mais non, Bécasse. À la belote, pas à la pelote. Tu es sourde ou quoi? On ne va pas jouer à la pelote basque en Bretagne. Mais on peut jouer aux cartes. À la belote, au bridge, au poker, à l'écarté. Ce qu'on s'ennuie. On peut jouer aux échecs ou aux dames. On peut jouer aux échecs. Ou aux dames, c'est moins compliqué. Oh non, tout ça c'est mortel. Jouons plutôt à faire des portraits. Oui, c'est une idée, jouons au portrait. C'est ça, faisons des portraits. Comment est-ce qu'on fait pour jouer au portrait? C'est très facile. Quelqu'un décrit une personne en 3 ou 4 phrases. Par exemple, elle est grande, elle a un œil bleu, elle a un œil gris. Elle est très gentille. Et puis les autres devinent qui c'est. Qui c'est? Qui? Grande, avec un œil bleu, un œil gris, et très gentille. Ben, je ne sais pas, c'est personne. Elle n'existe pas, c'est un exemple. Ah bon? On invente des personnes qui n'existent pas? Mais non, ce que tu peux être bête. Quand on joue, on prend des personnes qui existent, évidemment. Sinon, on ne peut pas deviner. Bon, allons-y, commençons. On commence par des gens de la famille. Qu'est-ce qui commence? Allez, à toi, Yvonne. Tu commences. Non, pas moi. Je n'ai pas d'idée. Mais si, voyons, ce n'est pas difficile. Tu prends quelqu'un de la famille. N'importe qui. Attends, je cherche. Voyons. Ah, ça y est, je sais. Il est grand, il a les cheveux gris et courts. Il est toujours bronzé. Il a bon caractère. Il est toujours de bonne humeur. Il est très généreux. Il fait toujours des cadeaux. Il adore... Tonton Guillaume. C'est trop facile. Qu'est-ce qu'il aime, tonton Guillaume? Ouais, les enfants, Bécasse. Allez, c'est à moi maintenant, c'est mon tour. Le nez fin et pointu. Les lèvres minces. Les dents pointues. Et la voix pointue. Ah, ce qu'il est agaçant, ce gamin. Tante Georgette. Bon, moi maintenant. Le grand sportif. Très fier de ses performances passées. À la course, aux 100 mètres, 400 mètres, au marathon, au saut en hauteur, au saut à la perche. Enfin, l'athlète parfait, quoi. Ne manque jamais un événement sportif. Comme spectateur. À la télé, évidemment. Et il joue même au tennis, une fois par an. Oh là là, ce qu'elle est méchante, c'est papa. Ben évidemment, c'est ton père. Bon, à moi. L'air distingué. Les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds, tout le portrait de sa deuxième fille. Oh, qu'il est galant, le petit cousin. Bon, on va pas dire qui c'est. Si, si, on dit qui c'est. Qui c'est, ce n'est pas important.
Ce qui est important, c'est le goûter. Il est 4 heures. Plus de 4 heures. Allons les enfants, il est plus de 4 heures, c'est l'heure du goûter. Dis qui c'est. Oh, mais tais-toi, tu es embêtante à la fin. Dis qui c'est, je veux savoir qui c'est, Na. D'abord, tu vas chercher le goûter. Je ne suis pas ta bonne, vas-y, toi. Écoute, tu veux savoir qui c'est? Oui. Alors, va chercher le goûter. Ah, est-ce que tu peux être embêtante? Elle n'est pas contente, mais elle y va. Apporte de l'orangina et de la limonade. De l'orangina et de la limonade. Il y a des petits pains en raisin. Et des petits pains en raisin. Apporte les galettes bretonnes aussi. Les galettes bretonnes. Il n'y en a plus. Si, il en reste. Mais si, il en reste au moins 5 ou 6. Il n'en reste plus. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûre, puisque je te le dis. Ah, tu peux me croire, non? Mais bientôt, il ne va plus en rester. Attention à ce que tu fais. Oh, c'est malin. Ce n'est pas ma faute. Écoute, c'est pas grave. Allez, pleure pas. Alors, qui c'est? Hein? L'histoire se passe dans le passé, il y a 2 ans. C'est le passé. Tenez, prenons un voyage, par exemple. Ça, c'est le présent, aujourd'hui. Et ça, c'est le passé, il y a 100 ans. Ça, c'est Mireille, maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est Mireille, il y a 3 ans. Ça, c'est Mireille, il y a 10 ans. Ça, c'est il y a 2 ans. Et c'est en Bretagne. C'est les vacances. Regardez ça. C'est les vacances ? Non, ces gens ne sont pas en vacances. Et là, c'est des vacances? Non. Ça, oui, ça, c'est des vacances. Ces gens, eux, sont en vacances. Les vacances d'été. Ça, c'est des vacances, mais les vacances d'hiver. Et ça, c'est les vacances en Bretagne. Mireille, Cécile et Marie-Laure sont en vacances en Bretagne. Il y a aussi leurs cousins, Georges et Yvonne. Les parents ne sont pas là. Les enfants sont seuls, sans les parents. Ici, Mireille et Marie-Laure sont seules. Mais ici, elles ne sont pas seules. Et ce monsieur est seul. Mais là, là non, là il n'est pas seul. Bon, Mireille et ses sœurs sont seules dans une maison louée. C'est une maison louée, une maison en location. Si vous êtes en vacances, les vacances d'hiver, et vous n'avez pas de ski, vous pouvez louer des skis. Regardez cette dame, elle loue des skis. Si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez louer une voiture. Cette voiture-là, elle n'est pas à Robert. Robert n'a pas de voiture. C'est une voiture de location. Il la loue. Cette maison, en Bretagne, n'est pas au Bello. C'est une maison de location. Il la loue pour les vacances. Mireille n'est pas contente. Écoutez. C'est bien notre chance. Ça fait 3 jours qu'il pleut. On est belle, votre Bretagne. Hein? Elle n'est pas contente parce que il pleut. Il pleut. Ici aussi, il pleut. Là aussi, il pleut. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Regardez. Aujourd'hui, 6 juillet, il pleut. Ça fait 1 jour qu'il pleut. Hier, 5 juillet, il a plu. Ça fait donc 2 jours qu'il pleut. Et avant-hier, 4 juillet, il a plu. Ça fait donc 3 jours qu'il pleut. Ça fait 1 jour qu'il pleut,
Ça fait 2 jours qu'il pleut, ça fait 3 jours qu'il pleut. C'est bien notre chance. Mireille, Cécile, Georges n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance parce qu'ils sont en vacances et il pleut. Eux, oui, eux, ils ont de la chance. Ils sont en vacances et il fait beau. Il ne pleut pas. Ils ont de la chance. Ce monsieur a de la chance. Mireille n'a pas de chance. Regardez. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ben regarde, c'est bien ma chance, hein. C'est bien ma chance. C'est bien notre chance. On est belle, votre Bretagne. Mireille dit ça parce qu'elle n'est pas contente. Mais en fait, oui, la Bretagne est belle, très belle. C'est beau, la Bretagne. C'est un très beau pays. Il y a de belles plages, de beaux calvaires, de jolis petits ports de pêche. Quand il fait beau, c'est un très beau pays. Mais évidemment, quand il pleut, c'est moins beau. On est belle, votre Bretagne. La mer, quand il pleut, c'est mortel. C'est triste. C'est ennuyeux. On s'ennuie parce qu'il n'y a rien à faire. Je m'ennuie. Il n'y a rien à faire. Ce jeune homme s'ennuie parce qu'il n'a rien à faire. À la mer, quand il pleut, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On ne peut pas jouer au ballon. On ne peut pas faire du bateau, on ne peut pas faire de la planche à voile, on ne peut rien faire. Si, on peut jouer aux échecs, on peut jouer aux dames, on peut jouer aux cartes, au bridge, au poker, à l'écarté, à la belote. À la pelote dans la maison? On n'a pas de place. Mais non, Bécasse, à la belote, pas à la pelote. La belote, c'est un jeu de cartes. Mireille et Marie-Laure jouent à la belote. La pelote, ça, c'est autre chose. La pelote, c'est un jeu du Pays basque. Georges n'est pas très gentil avec Marie-Laure. Il l'appelle Bécasse. Mais non, Bécasse. Bécasse, idiote. Ce n'est pas très gentil, ça. Ça, c'est une bécasse. On dit que les bécasses sont bêtes, stupides. Une bécasse, c'est une petite fille qui n'a pas l'esprit très rapide. Ça, c'est Bécassine, une bonne qui n'a pas l'esprit très rapide. Elle est un peu bête. Est-ce que Marie-Laure est un peu bécasse ou est-ce qu'elle est sourde? Belote et pelote, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Tu es sourde ou quoi? Est-ce que Marie-Laure est sourde? Regardez Jean-Claude ici, il est sourd. Ce monsieur aussi est sourd. Il n'entend pas très bien. Mireille, Cécile et les autres s'ennuient parce qu'il pleut et qu'ils ne peuvent rien faire. Mais Mireille a une idée. Bon, j'ai une idée. Jouons au portrait. Oui, c'est une idée. C'est une bonne idée. Ça peut être amusant. Ici, c'est Newton qui a une idée. L'idée de Mireille, c'est de jouer au portrait. Quand on est en vacances, on peut faire de la planche à voile, on peut faire de la natation, faire du deltaplane, faire du ski, on peut faire de l'escalade, ou bien on peut jouer à la belote, jouer à la marelle, on peut jouer au tennis. La natation, c'est un sport, une activité, un sport bon pour la santé. La belote, c'est un jeu avec des règles. Le Scrabble, c'est aussi un jeu avec des règles. Mireille, Cécile et les autres vont jouer au portrait. Les portraits, c'est un jeu avec une règle. Quelqu'un décrit une personne, quelqu'un, c'est-à-dire n'importe qui. Par exemple, Mireille ou Cécile ou Marie-Laure ou Georges ou vous ou moi ou ce monsieur, cette dame. Cette dame, c'est quelqu'un. Quelqu'un, c'est masculin. Une dame, féminin, c'est quelqu'un, masculin. Donc, pour jouer au portrait, quelqu'un décrit une personne. Par exemple, Mireille, Cécile, Georges
ou vous, ou ce monsieur. Ça, c'est une personne. Maintenant, attention. Observez bien ceci. Un homme, masculin, c'est une personne, féminin. Pour jouer au portrait, il faut décrire quelqu'un en 3 ou 4 phrases. Par exemple, il a le visage rond, il a les yeux bleus, il est blond, il a une moustache. 3 ou 4 phrases. Quelqu'un décrit une personne et les autres devinent qui c'est. Il faut trouver qui c'est. Regardez, dans ce jeu aussi, il faut deviner qui c'est. Ah, c'est Georges. Oh, elle a deviné. Devine ce que j'ai. Je sais pas. Un serpent. Devine qui c'est. Tante Georgette. Il faut deviner qui c'est. Est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez? Devinez. Qui c'est? Qui? La grande, un œil bleu, un œil gris, qui est très gentil. Mais je ne sais pas, c'est personne. Personne. Regardez. Ça, c'est une personne. Et ça, c'est personne. Une personne, personne. Là, il y a quelqu'un, il y a une personne. Et là, il n'y a personne. Et ici, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah, si, il y a quelqu'un. Attention. Maintenant, ça va être très compliqué. Regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Oui, il y a 2 personnes. Et maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Non. Maintenant, il n'y a personne. Pour jouer au portrait, ce n'est pas difficile. D'abord, il faut choisir quelqu'un. Si, voyons, ce n'est pas difficile. Tu prends quelqu'un de la famille. N'importe qui. Georges dit qu'il faut prendre quelqu'un de la famille. C'est plus facile. Regardez Mireille ici. Elle prend un bonbon et Marie-Laure prend les autres. Toi, tu prends ce bonbon et moi, je prends les autres. Regardez Marie-Laure. Elle prend une galette et elle la mange. Tiens, prends ton ciré, ça vaut mieux. Bon, alors qu'est-ce que tu prends? Je crois que je vais prendre le chou à la crème. Maintenant, observez Yvonne. Elle cherche. Je cherche. Voyons. Ah, ça y est, je sais. Maintenant, regardez Marie-Laure. Elle cherche son Astérix. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon Astérix. Regardez cette dame. Elle cherche. Elle cherche quelque chose. Maintenant, regardez Jean-Claude. Il cherche. Yvonne décrit une personne qui a les joues rondes. Les joues rondes, là, comme ça. Les joues creuses. Les joues rondes. Voilà des joues rondes. Et voilà quelqu'un qui a le teint frais. Mais ça, non. Ça, ce n'est pas un teint frais. Yvonne décrit quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. Voilà une dame qui est de bonne humeur. Mais ici, elle n'est pas de bonne humeur. Yvonne décrit quelqu'un qui est généreux. Voilà un homme généreux. Voilà une dame généreuse. Georges décrit quelqu'un qui a le nez pointu. Voilà un nez rond. Et voilà un nez pointu, des dents pointues, des oreilles pointues, une feuille pointue, des lèvres épaisses, des lèvres minces. Mireille se moque de son oncle, le père de Georges et d'Yvonne. Elle se moque de lui parce qu'il est fier de ses performances sportives passées. Marie-Laure est très fière de sa jupe. Regardez Jean-Claude, il est fier. Le grand sportif, très fier de ses performances passées. À la course,
Au 100 mètres, 400 mètres, au marathon, au saut en hauteur, au saut à la perche. L'athlète parfait, quoi. La course à pied, ici, c'est une course cycliste. Une course de voiture. Le saut en hauteur. Le saut à la perche. Marie-Laure fait aussi du saut à la corde. Mireille se moque de l'oncle Armand parce que ce n'est pas un vrai sportif. Il ne fait pas de sport vraiment, mais il regarde tous les événements sportifs à la télévision. Ça, oui, ça c'est un vrai sportif, il fait du sport. Mais ça ce n'est pas un vrai sportif. Il ne fait pas de sport, il regarde les matchs à la télé. Mais il regarde tous les matchs. Il regarde tous les matchs de rugby. Il ne manque pas un match de rugby. Il regarde tous les matchs de tennis. Il ne manque pas un match de tennis. Georges fait le portrait de Madame Bello. Il dit qu'elle a l'air distinguée. L'air distingué, les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds. Et qu'elle ressemble à Mireille. Tout le portrait de sa deuxième fille. Cécile est la première fille de Madame Bello. Mireille est sa deuxième fille. Et Marie-Laure, sa troisième fille. Oh, qu'il est galant, le petit cousin. Georges est galant parce qu'il fait un compliment à Mireille. Il dit qu'elle a l'air distinguée. Les Français pensent qu'ils sont galants. Ils aiment beaucoup parler de la galanterie française. Tenez, regardez. Mes hommages, madame. Voilà un Français galant. Voilà un autre Français galant. Tous les Français sont galants. Enfin, presque tous les Français sont galants. Celui-ci n'est pas galant. Marie-Laure ne sait pas qui c'est. On fait un portrait, mais elle ne sait pas qui c'est. L'air distingué, les mains fines, etc. Elle ne sait pas. Alors, elle veut savoir. Dis qui c'est, je veux savoir qui c'est, na. Quand on est une petite fille de 10 ans, comme Marie-Laure, il faut savoir beaucoup de choses. Il faut savoir la table de multiplication. 9 fois 8, 72. 10 fois 8, 80. Il faut savoir les fables de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Observez ceci. D'abord, va chercher le goûter. Oh, je suis pas ta bonne, vas-y, toi. Marie-Laure proteste qu'elle n'est pas la bonne de Mireille. Regardez ici. C'est une bonne, c'est la bonne de Madame Courtois. Madame Courtois? Ah non, c'est la bonne. Ça, c'est la bonne. Ça aussi, c'est une bonne. Bécassine est une bonne. Pour le goûter, il y a des oranginas ou de la limonade pour boire. Et pour manger, il y a des petits pains aux raisins, des biscuits, des galettes bretonnes. Regardez, combien y a-t-il de galettes? 1, 2, 3, 4, il y a 4 galettes. Maintenant, il reste 3 galettes. Il reste 3 galettes, il en reste 3. Et maintenant, il en reste 2. Maintenant, il en reste 1. Et maintenant, il n'en reste plus, il n'y en a plus. Observez, il reste une galette, il reste une galette, il en reste une. Il reste 0 galette, il en reste 0, il n'en reste plus. Marie-Laure va chercher le goûter et, quand elle revient, patatras, elle laisse tout tomber. Mireille critique. Oh, c'est malin! Regardez cette jeune fille. Oh, c'est malin! Remarquez que Mireille aussi fait des bêtises. Regardez. Merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La regarde. C'est malin. Mais c'est pas de ma faute. C'est ma faute, peut-être. Oh. Oh! C'est malin! Tu peux pas faire attention, sale gamine! Ce n'est pas de ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas de ma faute. Elle pleure. Il pleut. Et elle pleure. Maintenant, vous allez parler français. Écoutez ce dialogue entre Mireille et Marie-Laure. Vous allez répéter les réponses de Mireille. Dis qui c'est, je veux savoir qui c'est, na. D'abord, tu vas chercher le goûter. Je ne suis pas ta bonne, vas-y, toi.
Écoute, tu veux savoir qui c'est? Oui. Alors va chercher le goûter. À vous maintenant. Vous êtes Mireille. Dis qui c'est, je veux savoir qui c'est. Non. D'abord, tu vas aller chercher le goûter. D'abord, tu vas aller chercher le goûter. À vous maintenant. D'abord, tu vas aller chercher le goûter. Oui, je suis pas ta bonne, vas-y toi. Écoute, tu veux savoir qui c'est? Écoute, tu veux savoir qui c'est? Écoute, tu veux savoir qui c'est? Oui. Alors va chercher le goûter. Alors va chercher le goûter. Alors va chercher le goûter. Bon, pour terminer, voyons ce que vous savez faire. Combien de galettes y a-t-il? 4. Il y a 4 galettes. Il reste 4 galettes. Très bien. Et maintenant, combien en reste-t-il? Il en reste 3. Et maintenant, il en reste 2. Et maintenant, il en reste 1. Et maintenant, il n'en reste plus. 2 jeunes gens. Il en reste 1. Il n'en reste plus. C'est fini.